Et voilà, on est déjà de retour. Alors, on va continuer à... Attendez, on va continuer à s'entraîner. On va faire le saut de l'ange. Merde, je peux pas là. Merde, je peux pas. C'est là-bas. Vas-y, saut de l'ange. Boum. Allez, vas-y. Ta race. C'est quoi comme chemin? C'est ce chemin-là. Ouais, apparemment, c'est ce chemin-là. On va suivre. Je vais y arriver tout droit. Ouais, je vais arriver tout droit. C'est un Jinhan. Voilà, on va finir à pied. Alors mon petit Tenshin Han, qu'est-ce que tu fais là? Oh! Ouais, tu vas m'enseigner. Oui, allez, on y va, Tenshin Han. Terminer le son de l'entraîneur. On voit rapidement qui quoi, bien que cette technique soit très rapide, sa puissance est faible. Attendez. On va essayer de le finir rapidement. Ouais, il laisse qu'il vient jouer, frère. Super attaque à prise, tête cela sur ton adversaire. Décharge d'énergie consécutive, c'est la B. Et il s'en mérite pour l'enseignement. Ah ouais, en fait c'était ça les trucs qu'il fallait faire que j'ai foiré sur les autres. C'est quoi la Zukikoa? Tu as réussi 20 Kikoa. Dernier ennemi vaincu. Tu as terminé en moins de 3 minutes. Tu as réussi 20 Kikoa. PV supérieur à 80. Attaque spéciale de Dodonpa. On va revoir ça. On va essayer de le battre. J'ai envie de essayer de la première mission de faire tout bleu pour voir ce que ça fait. Bien, ta maîtrise de Ki est super. Tu devrais pouvoir apprendre cette technique à partir de maintenant. Je garderai un œil sur toi afin de te proposer de nouvelles leçons et de te passer au point. Oh! Ah, te voilà, je t'entends, tu arrives au bon moment. Je viens de choisir la prochaine technique que je t'apprendrai. Il s'agit de l'attaque volleyball, une technique de choix au combat rapproché. Nous pouvons commencer l'entraînement dès maintenant si tu le souhaites. Alors, pourquoi es-tu ici pour t'entraîner parler? Dis-moi quel est le domaine souhaité. Alors, attendez, j'ai envie d'améliorer ça, moi. いらない。拳を曲げれば強さはすぐにわかる。スピードは悪い。やるな。面白い。merde。J'ai pas compris mon petit Tenshin Han, mais c'est pas grave, tu vas apprendre ton autre technique et...
Yamcha donne maintenant un cours spécial dans le quartier balnéaire. Je peux maintenant passer un examen. Je vais repenser à nos premiers entraînements. Tu as énormément progressé depuis. Attendez, Et où Yamcha là? Événement d'entraînement. C'est quoi ça? Événement d'entraînement. Ah, c'est ça là-bas. Faut que j'aille par là. Bon, bah, vas-y, on fonce. Hein. Merde. Comment on fait pour y aller en fait? C'est ça mon délire. Putain. Toi tu veux quoi toi? Yo! Tu peux maintenant utiliser des zéniths et des mêlées pétées pour augmenter ton niveau. Utilise des zéniths pour augmenter ton niveau et si tu es niveau 80 inférieur, tu utilises des mêlées pétées pour augmenter ton niveau si tu es un... Ok, tu as cet agent de la police de temps dont j'avais entendu parler, je comprends mieux. Tu me disais que je sentais quelque chose d'étrange, comme une puissante pulsation, c'est ce qu'on appelle le ki. Maintenant que tu en es là, j'ai des infos sur quoi ça te donner. Jusqu'à d'augmenter ta puissance, je peux t'en faire profiter si ça te fait envie. Et ça te fait envie, pas vrai? Que pourrais-tu refuser en venant plus fort? Alors, tu veux que j'augmente ta puissance? Ouais, vas-y. Veux-tu vraiment dépenser? Ah non, 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 non. Non, 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 c'est une arnaque, ça. M'intéresse pas, frère. Attendez, là je vois qu'il y a un truc de téléportation. Voilà. Il est où mon truc de téléportation? Téléportation, vas-y. Bienvenue à la technologie de la capsule camp. Nous permet de te téléporter vers une zone de ton choix. Où veux-tu aller? La réception. Quartier. Ouais là, quartier balnéaire, tortue géniale. Ah, c'est là que je veux aller. Ah, c'est tortue géniale ici? Mais elle est où la maison? Y'a pas la maison de tortue géniale? Bon, attendez, on va faire le tour après. On va chercher la maison de tortue géniale. Je vais voir c'est quoi la mission de lui là. Yo! Oh, salut, tu tombes à pic. Pourrais-tu m'aider? Ne t'inquiète pas, rien de bien difficile. Je veux juste tester une nouvelle manière de s'entraîner. Tu veux savoir ce que c'est? Écoute-moi bien. C'est un entraînement spécial créé par Tortue Géniale. Son Goku et Krillin l'ont même utilisé. C'est l'entraînement des pierres de tortue. Alors, impressionnant, non? Yamcha t'entraînera en te demandant de trouver des pierres de tortue disséminées dans Cotton City. Plus tu les récupères rapidement et plus tes récompenses seront grandes. Les pierres de tortue peuvent apparaître avec d'autres objets en ville. Pour les ramasser, approche d'une pierre de tortue, utilise B. Retourne parler à Yamcha lorsque tu as fini ton entraînement. Qu'en penses-tu? Veux-tu essayer de t'entraîner avec des pierres de tortue? Oui, très bien. Je vais jeter les pierres de tortue, d'accord? Si tu en rapportes un ou plus, tu réussis aussi. Plus tu trouveras de pierres de tortue, plus tu auras de points. Si tu es un dans le coin, j'essaie de toutes les trouver. Oh, et ne déclenche pas de combat pendant ton entraînement, sinon j'y mettrai fin. Allez, commençons. Je vais faire un lancer extraordinaire. Tu penses être capable de réussir l'entraînement? Ta chasse aux pierres de tortue sera interrompue si tu rejoins une bataille ou une quête, et ton entraînement sera abandonné. Ok, frère. Bah là, déjà, il y en a une. Bah, vas-y. Tu vas trouver une paire de tortues. Perfecto. Voilà. Bon, on peut pas. On est bloqué. La réception de tortue géniale. Bienvenue au service de partage de l'île de tortue géniale. L'île de tortue géniale est un milieu de policiers qui veulent former une équipe. Une fois créée, ton équipe peut se rassembler ici pour tes quêtes parallèles ou pour participer à des combats. Cependant, tu ne peux pas y aller maintenant parce qu'on fait du nettoyage. Il faut que tu reviennes plus tard. Ok. Yeah. Non, non, mais je l'ai déjà fait ça. Yo, comme ça. Va à la zone commerciale. Oh, c'est bon. Alors. Ah bah tiens. On cherche... Attends.
Attendez, je regarde partout. Là, il y a Pipic. Ah bah voilà. Wow, il y en a trop là. Je vais te donner, attends. C'est bon, là, on a tout récupéré. Et si, laisse tomber, il a tout balancé, frère. J'ai envie de monter encore pour voir. C'est possible qu'il y en ait encore, et là. Et là-haut aussi. Voilà, là-bas au bout. Wow, il y en a masse encore ici. À mon avis, c'est le tournoi ici, c'est mortel le tournoi. Je pense que c'est bon. Ah non, il y en a une là. J'avais pas vu. Ok, donc là on est good. Il y a un téléporteur là. Ouais. Voilà la zone commerciale. Je me pose les gars 2 secondes parce que je vais donner de l'eau au petit. 2 secondes. Non mais c'est les sales, faut qu'on leur lave. Je te le redonnerai après, d'accord? Bon, on continue. Là-bas, j'ai oui. On va repérer ça là-bas. Ah! Ah non, je crois que c'était Goku, frère. Alors là, c'est le petit qui pète un câble. Faut rigoler là, ici. Bref, bienvenue dans ma life. J'en ai 14, c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'en vois plus là. Là, je le sens là. Là, dans l'herbe là, non? Je vois rien. Non, y'a rien. Y'a rien du tout ici. Là on est à l'aveuglette. Je regarde loin, je vois rien. Écoutez, si je vois plus. Bon bah tiens, on est jamais allé là, il doit y en avoir, on va voir. On est où là d'ailleurs? Ah, là-bas. Et attendez, il y a un point d'exclamation. Événement quête, commande figurine. On va voir. Ah là. Voilà, j'en ai 15, c'est pas mal. Il n'y en a pas là. Hein. Non. Allez, une boutique d'accessoires. Ah, moi ce que je veux, c'est. Moi ce que je veux, les gars, c'est une mascotte. Bon, les mascottes K sont pas terribles. Attendez, là-bas il y en a un. Non. Il
On va aller les choper. Parfait, j'en ai 16. Il y en a un là. Le problème c'est que j'en ai aucune idée de combien il y en a. Je sais pas combien il y en a. Dis, essaye de toutes les choper, je veux bien, mais faudrait que tu me dises combien il y en a à la base. On va faire le tour quand même. Non, il n'y a que dalle. Ah si, il y en a un là. Oh, regarde s'ils sont là-haut. Il y en a un là. Ah, il y a un petit chemin là, frère. Oh, il y a un truc planqué ici, non? Non. Et là, les poubelles. Là. Vas-y, prends-le, putain. Mais prends-le! Parfait, je vois qu'il y a un truc de téléportation là. Et là, il y en a encore. Là, il y en a encore un. Ouais, il y a Cricri là. Je suis où là maintenant? Ouais, ok, je suis là. Alors, on va voir là-bas derrière. Pam 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 pam. Non, y'a plus rien ici. Y'a plus rien. Bon, on va prendre le truc de téléportation. Là. Y'en a pas un à côté? Bon, on va revenir après les gars. Parce que je peux pas commencer une quête sans avoir vu Yamcha en premier. Là. Alors. Je veux que tu m'emmènes sur le quartier balnéaire de Torte Génial. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va nous le dire notre Yamchi? Ah, ça y est, tu as trouvé toutes les pierres. Pas toutes, mais bon. Franchement, tu as pris beaucoup trop de temps pour cet entraînement. Est-ce que tu fais sérieusement au moins? Je t'emmerde. Tu as obtenu 6 médailles pétées. Alors, ça t'a fait un bon entraînement ou quoi? Ça fait du bien de transpirer un peu de temps en temps. Viens pour des leçons de morale normales. Et en attendant, n'oublie pas de ton devoir de policier du temps. Ouais, si tu veux. Si tu veux, l'ami. Attendez, je mets les wawa dessins. Et voilà. Et, bon, il est où mon pote le robot là? Là-bas. Voilà, je veux que t'ailles là. Bureau des examens. C'est quoi le bureau des examens? C'est un entraînement. Salut. T'es pas très loquace, hein? Tiens, bonjour, ta bonté est agréable. Je surveille les examens dans ce centre. Tu peux m'appeler testeur. Je peux expérimenter ici les styles d'enseignement des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Certains entraînements exigent un certain niveau. Tâche d'y penser. Mais ne t'en fais pas. Régulièrement, il te sera proposé de passer un examen. Lorsque tu es en mesure de passer un examen, viens me parler. D'ici là, amuse-toi bien. Tu peux passer un examen. Lorsque tu réussis un examen, ton rang augmente, ce qui te donne accès à de nouveaux entraînements. Mais tu passes un examen? Ouais, vas-y. C'est quoi l'examen? Wow, difficulté 15. Premier examen, catégorie facile. Réussir l'initiation. Oula, je vois qu'il y a des ennemis de ouf là. Oh là 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 là, je vais foirer mon examen les gars. Je vais être calé. C'est pas possible. Autrement. Oh ouais, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort les high. Ah
les chats sont en train de défoncer. Bien repris. Non, relève-toi. C'est parce qu'il a foutu là, Simon. Allez, vas-y, bon, on finit. T'as fait 15 minutes pour finir, pour battre tout le monde, alors pour une rouille en fait. Ouais, voilà, c'est mort, les amis des morts, les gars, je vous le dis. Hein. Des charges d'énergie consécutives, image. Vas-y. Rêve. Voilà, même chat il est KO. Tenshin Han. You. Là. Mais ouais, mais je suis dead. Bien. On sort leur enfance. Bah oui, c'était sûr que j'allais perdre l'examen, frère. On va voir Cricri. C'était pour tester les examens, je savais pas trop ce que c'était. Maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'il fout, là? Échec de l'examen, entraîne-toi plus. Ouais, ok, super. Viens là avec toi. Yo. Et salut, tu fais partie de la puissance du temps. Enchanté, je suis Krillin. Le Kaioshin du temps m'a parlé de toi. Tu veux augmenter ta puissance, c'est ça, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Je connais plein de techniques, ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu veux que je t'apprenne une nouvelle technique, pourquoi pas, mais je dois d'abord évaluer ta difficulté. Tu travailles pour le Kaioshin du temps. Et je sais que ce n'est pas du tout le repos, mais je veux te voir combattre en personne. Qu'en dis-tu? On fait un match? Ben oui, mon petit cri-cri. Allez, montre-moi. Initiation de Krillin, termine la leçon de l'entraînement. Alors, une intense concentration permet de régénérer 100 points d'endurance. Ok. Super, attaque surprise, teste la sur ça. Prêt à l'action. Charge d'énergie. Ah voilà, la charge d'énergie. C'est ça que j'appelle. C'est énorme. Putain, je vais encore une bouffée de ce qu'il y a. Pourquoi je peux pas faire ça? Prêt à l'action. Putain de fils de... Bon, j'ai appris... Je suis en S, j'ai pas, t'inquiète. Bon. J'ai appris ça, c'est pas mal. Ding.
Beau travail, tu devrais pouvoir te servir de ce que je t'ai à apprendre. Je vais préparer des leçons adaptées à ton niveau. Et ne te relâche pas. Événement 4 combat figurine. Attendez. Attendez. Il y a un truc là-bas. Par là. Voilà. C'est lui. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh! Utilise RB pour ouvrir la liste des gestes disponibles. RB. N'hésite pas à communiquer ainsi avec les autres joueurs. Ah oui, non, ok. Ouais. Et tu savais que le VKO Shinkonen Ceremony pour débloquer le potentiel de quelqu'un, c'est un rituel incroyable capable de trouver la force cachée de ton. De tout guerrier compris les plus puissants. Et ça paraît impossible dit comme ça. Je suis curieux de voir de quel genre de rituel il s'agit pour toi. Si c'est le cas, allez, montre-moi ton respect. D'une belle révérence. Tu n'auras pas souvent une telle opportunité. C'est lui là? C'est à toi qu'on a compris cette mission critique et j'étais largement au-dessus de toi en classe. Rien ne presse, mais je voudrais vraiment te défier pour voir à quel point tu es coriace. Considère ça comme des travaux pratiques. Et ne te retiens pas parce que je suis une femme, mais moi, je ne le ferai pas. Allez, donne tout ce que t'as. Tu recevras parfois des défis de la part de policiers du temps auquel tu parles à Cotton City. Des adversaires puissants te récompenseront d'un grand nombre de points. Vaincre un policier particulièrement puissant pourra même te porter une Dragon Ball. Ah. Sanu. Prêt. Go. Ah, je portais les premiers coups frères. Pourquoi je peux pas le charger? Putain, je peux pas charger les gars. Voilà. Putain, je t'ai foiré. Bien joué. Ah, bien joué. C'est mal, ça, hein? Est-ce que ça fait mal? Attention, le crash du météore. Putain, j'avais pas vu, j'avais un timer en plus. C'est bon. Victoire, défaite. Niveau suivant, score, niveau 6. Je vais compter le niveau. Et mes récompenses, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, les rails là, ça a bugué? Oh non, me dis pas que ça a bugué alors que j'ai fait un putain de score. Je vois que tout est bugué là, tout a frisé là, frère. Ça a bugué.